Atashem Nushmat Avraham Shalom Barachim. Dit le Zohar, Rabbi aussi, et Rabbi Chizkia, Avoazli le Mechve, le Rabbi Shimon be Kapotkia. Deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont partis le visiter dans une autre ville, Kapotkia. Rabbi aussi et Rabbi Chizkia. Maintenant, Amar Rabbi Chizkia, Haïde Amrinan, le Olam, Yesader, Barna, Shevacha, de Mare, ou le Batar, Itzle, Skouté. On a dit, dit Rabbi Chizkia, toujours, quand tu fais la prière, d'abord il faut faire la louange d'Hachem, ensuite faire la prière. Tu ne veux pas faire la prière avant la louange. Pourquoi? C'est quoi la prière? La prière, c'est le Shmona Esrei. Qu'est-ce qu'on fait de Shmona Esrei? Dans Shmona Esrei, on demande à Hachem. Parnassa, Refoua, Geoula, Slicha Vechapara. On demande à Hachem. Tu ne veux pas venir à Hachem, donne-moi la Parnassa, donne-moi la Refoua. D'abord, tu fais les louanges d'Hachem et après tu demandes. Okay? Alors, Rabbi Chizkia a dit, on a étudié les Olam. Yesader, Barna, Shevacha, Demare. D'abord, fais le louange d'Hachem. Et ensuite, ou le bâtard. Et après, tu pries Hachem, tu demandes Hachem. Il dit ici, Haïman, Dilibé, Tarid, ou Baïl, et Tzala, Tzlote, Viou, Ba'aku, Veloacha, Lesadara, Shevacha, Demare. Quelqu'un qui est perturbé par quelque chose qui le dérange. Personnel. Il est personnellement perturbé. Ça veut dire, il n'arrive pas à se concentrer. Est-ce que lui aussi doit faire le louange d'Hachem et après prier, ou il peut directement s'adresser à Hachem pour son besoin? Alors il dit, Amarle, alors il lui disait, Rabbi Chizkia, Rabbi aussi, Afalgav de lo yachi le chavana liba ruta, sidura ou shvacha demare amaygara. Toi tu es perturbé, mais qu'est-ce que ça affecte le fait que tu dois, quand tu t'adresses à Hachem, tu dois faire sa louange? Tu es perturbé par quelque chose de personnel. Mais la louange d'Hachem est toujours là. Il faut la faire toujours. Alors il dit, il ne faut pas parce que... Oui, mais pas quoi. Mais tu vas prier, tu vas prier. Mais tu ne veux pas faire la louange d'Hachem. Alors écoute, d'abord, si tu veux que ça passe, fais la louange d'Hachem. Qui veut dire quoi? Regardez, même notre prière, il y a deux parties de la prière. La prière que tu commences par le korbanot, le sacrifice. Ça, c'est le début de la prière. Qu'est-ce qui vient après le sacrifice? Kaddish. Qu'est-ce qui vient après le Kaddish? Hodou. Mazé Hodou. Hodou, c'est des versets de Tehilim. C'est des versets de Tehilim. Après, il y a deux mizmorim de Tehilim. El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Mizmor Shir Chanukat Abayit le David. Après, qu'est-ce qu'il y a? Encore de Tehilim. Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem La. Et après, Yichevod Adonai Leolam, Ismach Adonai Masav, Yishem. Tout ça, c'est des Tehilim. Après, qu'est-ce qui vient? De Tehilim. Alléluia. Tout le Tehilim, toute la deuxième partie, on l'appelle Zmirot. Zmirot, c'est comme des louanges, c'est des chants qu'on loue Hachem. Après, on commence le Yotzer. Yotzer, Or, Boré, Chosher. Et après, on fait l'Amida. Tout ça, c'est la préparation à l'Amida. Alors, imagine-toi, tu viens en retard, tu dis, oh, je dois me rattraper. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter Zmirot. Tu vas sauter Korbanot. Tu vas sauter Zmirot. Normalement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu arrives juste avant Ishtabach. Tu peux faire Baruch She'amar, Ishtabach et continuer. Pourquoi? Parce que la prière la plus importante, c'est Tfila Batsibour. Le Tfila avec le public. C'est quoi le Tfila Batsibour? Quand tu fais la Amida avec le public. Tu fais la Amida avec le public. Alors toi, tu n'as pas le temps. Si tu vas commencer début le début, tu n'auras pas le temps d'être fait avec le public. Alors tu as tout sauté. Tu as tout sauté. Tu as fait Baruch She'amar. Ishtabach et tu es rentré avec le public. Si tu es seul. Comment? Si tu es seul, tu vas en ordre. Oui, en ordre. Il faut faire le schéma avant de faire. Oui, tout, bien sûr. Non, c'est, il va attraper le yotzer pour faire le schéma, pour faire la Amida. Okay? Maintenant, tu as sauté toute la partie importante, le louange d'Hachem. Le Zmirot, c'est le louange d'Hachem. Yichevod Adonai le'olam, Ismach Adonai masav, Yishem Adonai mevorach, Me'atav Adonam, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ça, elle dit, tu as sauté. Maintenant, dans la prière, la Amida elle-même, il y a comme ça. Les trois premières bénédictions, tu n'as le droit de rien demander d'Hachem. Quand tu dis, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham, il n'y a pas, tu ne demandes rien là-bas. Quand tu dis, Mechaya Metim parle de quoi? Qu'Yitzhak, son père, l'a presque égorgé dans la Akeda, parce qu'il lui a mis le couteau. Seulement, le malach, il dit arrête. Mais il lui a mis le couteau. Yitzhak, selon le Midrash, était mort pendant 2 ans. Il lui a laissé sur l'autel. Il lui a laissé sur l'autel. C'est écrit Vayashov Avraham el Naharav, Vayelchou Yachdav el Beershava. Avraham est retourné chez ses serviteurs
Et ils sont retournés à Bechava. Et où Yitzhak? Quand ils sont partis, c'est écrit Vayechushneem Erdav. Ils sont partis les deux. Dit le Midrash, il a laissé Yitzhak sur l'autel. 2 ans, il était sur l'autel mort. Sa neshama est montée Gan Eden. Hachem l'a guéri. 2 ans plus tard, il lui a fait retourner la neshama dans le corps. Il lui a envoyé à la maison. C'est pour cela, quand Yaakov, il va voir, il va venir pour demander les bénédictions à son père, Ken, il lui dit Re'e, Reach Beni, Ke Reach Sade. Je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur du champ, dira dit Gan Eden. Comme le champ de Gan Eden. Quand Yaakov est rentré pour avoir les bénédictions, il est rentré avec lui une odeur de Gan Eden. D'où ce qu'il sait comment ça sent en Gan Eden? Parce qu'il était à Gan Eden 2 ans. 2 ans. Yitzhak. Yaakov est rentré pour avoir les bénédictions de son père Yitzhak. Maintenant, alors ça c'est Mechaya Amitim, c'est une louange. Troisième louange, Baruch Ata Hashem à El à Kadosh. Ça parle de Yaakov Avinu. Yaakov qui a dormi à Bethel, il a vu l'échelle. Malaché Elohim, Olim, Veyordimbo. Il dit, Manora, Makom Azé, c'est tellement saint cet endroit, je ne savais pas que c'est la Kedusha. À El à Kadosh. C'est la bracha de Yaakov. Ça veut dire que les 3 premières bénédictions de l'Amida, c'est des louanges. Que le à l'intermédiaire des patriarches, au mérite d'Abraham, au mérite d'Yitzhak, ça, ils l'ont fait avant que tu commences à demander à Hachem des choses. Tu vas demander, Chonenu mitra chokma bina vada, donne-moi la sagesse, slach lano avinu, refaenu, ken shma kolenu. Et avant que tu commences tout ça, d'abord fais l'alliance d'Hachem. Magen Abraham, mechaye ametim, aïe la kadosh. Tu comprends? Ça veut dire que c'est important, dit Rabbi Chizkia, quand on veut prier Hachem, c'est important de lui faire le louange et après demander qu'est-ce qu'on a besoin. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve amen.